voir le sélectionneur. Parce que c'est ce que le décret du président me demande de faire. C'est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C'est un mensonge. Parce que si j'avais un problème avec mon fils, le matin de l'incident, il ne serait pas venu. Et il sait, il ne serait pas venu dans ma chambre. Et il sait, je m'arrête là. Donc, il n'y a jamais eu un problème entre mon fils et moi. En 2017, ceux qui parlent aujourd'hui, Onana n'était pas dans notre équipe nationale. Il ne savait même pas qu'il était le meilleur gardien au monde. Moi, je le savais. Et je l'ai dit haut et fort. L'histoire est têtue. Il a joué une finale face à Manchester. Il sait, j'étais assis à côté de Ferguson. Il a fait une passe qui coupait des lignes. 62 mètres. Tous se sont levés à la tribune pour dire c'est qui. J'ai dit c'est le meilleur gardien au monde. Mais il ne jouait pas à l'équipe nationale. Clarence Seedorf est arrivé. Ceux qui me combattent ont dit il est revenu parce que Eto'o a amené Clarence Seedorf. Aujourd'hui, c'est parce que Eto'o a des problèmes avec Onana. C'est pourquoi il n'est pas le club de son faux. Nous avons l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. J'espère que ces enfants, là où ils sont, ils comprennent et ils comprendront que nous avons un seul amour, c'est l'équipe nationale. Et mon job, c'est de protéger tous ces enfants. C'est mon job. Mais mon job aussi, parce que vous m'avez demandé... Bonjour les enfants. C'est papa. À la base, le docteur Samuel Eto'o, ils n'étaient pas dans mon premier podcast. Hein. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Non, à la base, le docteur Samuel Eto'o, il n'était pas dans mon podcast. Ok. Mais là, chaque fois que tu sors, je suis obligé de t'expliquer une ou deux petites choses. Pour toujours défendre mon point de vue où tu n'avais pas besoin de te retrouver dans la saleté qu'on appelle la FECA foot. Maintenant, je vais être plus clair. La FECA foot te salit. Te diminue, te réduit, détruit ta légende parce que les Camerounais ne respectent pas la grandeur. Les Atalakos qui te font, Samuel Eto'o, ce n'est pas qu'ils respectent ta grandeur. C'est des gens qui sont nés sans histoire fondamentale et sans dignité fondamentale. Ils s'accrochent à tout ce qui brille et à tout ce qui peut leur donner un peu d'espoir qu'ils vont voir la vie demain. Crois-moi, frérot. Tous ces gens-là qui applaudissent autour de toi, patati patata, donc tu es leur projet du mangement. Tu n'as aucun référent pour eux, rien. Ils ne sont là que pour voir comment ils peuvent t'aspirer jusqu'à la dernière énergie. C'est-à-dire que le gars dit que si tu pouvais même faire 14 ans à la FECA foot, comme ça eux-mêmes ils pillent pendant 14 ans, tu n'es que le justificatif des incompétents. Tu es la clé qui a ouvert la porte aux incompétents autour de toi. Et maintenant, regarde dans la position où tu es. Là, tu es Samuel Eto'o, communicateur qui se défend. Avant, Samuel Eto'o, président. Samuel Eto'o, journaliste. Samuel Eto'o, ceci. Te voilà, tu es de nouveau placé au milieu. Là où tu es placé au carrefour, là, ça ne te rappelle pas, nul n'a sa place dans cette équipe. Te voilà de nouveau en train de faire ton show. Te voilà de nouveau en train de faire ton show. Ça, c'est avant d'arriver à dire ce que tu es en train de dire avec ta bouche. Mais te voilà à nouveau en train de faire ton show d'Addis Camara. Tu vois, quand ça va te revenir à la gueule, tu vas comprendre que tu n'avais pas dit quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu as dit de mal là? Rien. Mais quand ça va te revenir à la gueule, tu vas comprendre. Parce que la première chose que je veux que tu comprennes, les enfants, et ça c'est quand vous avez déjà partagé, que vous avez liké, que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si on avait dit à Samuel Eto'o que c'est lui qui allait venir dire qu'il n'a aucun problème à vous, Onana. Il n'allait pas croire. Tu sais, vous prenez Gando Piquet. Quand Gando Piquet a un problème avec Samuel Eto'o, et qu'il l'endemme, et que les gens disaient qu'il l'endemme, est-ce que c'est Samuel Eto'o qui vient dire qu'il n'a aucun problème avec Gando Piquet? Non! C'est Gando Piquet qui vient, il est comme s'il est terrorisé, il a peur qu'on dise que non, il a peur de ceci, il a peur de Samuel Eto'o. Vous rappelez la vidéo de Gando Piquet où il dit que lui n'a aucun problème avec Samuel Eto'o. C'est comme si Samuel Eto'o était derrière lui, en train de lui dire que si tu ne finis pas la phrase, c'est fini. Et bien là, tu vois Samuel,
Tu viens de descendre d'un nouveau clan. Tu dis que ta légende, si tu continues de rester là-bas, ces gens qui ne connaissent pas la grandeur, ils te disent aussi que pour qu'on te traite comme un grand, il faut que les gens qui connaissent ce qu'on appelle la grandeur, ils te traitent comme un riche. Tu as partagé, frérot. Quand je parle avec mon ami Samuel Eto'o, tu partages, frère. OK? Parce que lui, il est en train de détruire tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti dans sa vie. Il est en train de tout foutre en l'air au Cameroun. Il est en train de tout foutre en l'air au Cameroun. Toute sa réputation à l'échelle mondiale, le voilà. Ce que vous entendez là, Samuel Eto'o en train de dire qu'il n'a aucun problème avec André Onana. Ça, c'est quand il est encore tombé dans le camp. Hein. Ça veut dire que là, en ce moment, il est menacé. C'est un peu comme Ngando Piquette. Je vous dis la vérité. N'est-ce pas, Samuel Eto'o? C'est-à-dire que tu t'es senti obligé de venir justifier devant les gens que tu n'as aucun problème avec André Onana parce que l'autre, N'Djala Kouane, t'a mis dans la mer. Mais André Onana, c'est ton fils. C'était André Onana de venir dire qu'il n'a aucun problème avec Samuel Eto'o, c'est son père. C'est à André Onana. Pourquoi donc André Onana te méprise? Au point où c'est toi, Samuel Eto'o, qui dois venir justifier aux gens que tu n'as aucun problème avec André Onana. Tu étais mon pote, cousin, et c'était par la grandeur. Mais tu voulais trop les honneurs. Tu voulais trop les honneurs. Tu voulais trop piétiner, avoir des gens à piétiner. Oui, je ne peux pas douter que tu n'aimes pas le foot. Je sais que tu aimes le foot, Samuel. Mais écoute ce que tu dis. Écoute, j'ai encore vu une autre vidéo où tu dis que tu es même arrivé dans le football par accident. C'est-à-dire qu'on peut lire tous les regrets. Parce que tout ce que ça, là, ce n'est que l'expression du regret. Et là, j'ai envie de te dire, si tu m'avais écouté, soit sur qu'à l'heure, si on est au Bahamas. Soit sur qu'à l'heure, si avec toi, mon combien t'as dit, Kamal, tu es vraiment quelqu'un qui est... Soit sur qu'à l'heure, si on ne serait pas sur le bateau. On serait sur le bateau, au Bahamas. En train de ramasser les coquillages. Signer les grands contrats de publicité et tout et tout. On serait en train de vivre. Tu es venu aider les choses, tes copains au Cameroun. Et tu as oublié ce que c'est que le Cameroun. Parce que le Cameroun que vous voyez là, il n'y a de la place que pour Pomba. On n'arrête pas de vous dire ça, vous ne comprenez pas. Ce pays n'a de la place que pour Pomba. Nul autre. Et là, Samuel Eto'o, essaye de te faire une place dans le pays de Pomba. Ils vont te bouffer, frérot. Ils vont te bouffer. Te vois comment tu t'énerves, non? Là, maintenant, c'est toi qui dis, il n'a aucun problème avec André Onana. Il n'a aucun problème avec André Onana. Il avait tapé le ballon, il a coupé le ballon 60 mètres. J'étais assis à côté de Ferguson. J'étais en train de regarder le match de Manchester. Blablabla. Tu blablates. Tu racontes, tu viens raconter aux gens les histoires de Kimbo. Parce qu'ils t'ont piégé, frérot. Là, bientôt, tu vas nous raconter les histoires qui se passaient dans ta chambre quand tu étais à Barcelone et que vous venez de... Bientôt, non, on n'est pas loin. Les histoires de Kimbo vont bientôt commencer. Ça y est, croyez-moi. Les enfants, ce n'était pas le premier podcast de la journée, je vous l'ai dit. Mais c'était très important que vous compreniez, par exemple, la notion de peuple et de population. Ces enjeux importants qui sont ceux qui m'intéressent en ce moment. Ça peut s'appliquer à l'homme qu'on appelle Samuel Eto'o. Parce que là, par exemple... Les gens comme les Samuel Eto'o, les plantes comme les Samuel Eto'o sont des plantes qui ne poussent qu'au milieu des populations. Un peuple connaît la grandeur, ils allaient l'élever. Un peuple connaît la grandeur. Mais les arbres comme Samuel Eto'o, papa Samuel Eto'o, pardon, papa Samuel Eto'o, docteur Dadis Camara, docteur Samuel Eto'o, tout ça, c'est les arbres qui poussent au milieu des populations. Je suis en pleine forme, les enfants. Partagez. C'était papa.